Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons regarder et découvrir plusieurs choses concernant le jeu Lord of the Veil, chapitre 1. J'aimerais remercier Paria qui m'a envoyé une copie du jeu et plusieurs accessoires que je vais pouvoir vous faire découvrir dans une première vidéo d'unboxing, suivie d'une vidéo de gameplay, en espérant ne pas m'être trop trompé sur les règles, croisant les doigts. N'hésitez pas à me dire si j'ai fait des erreurs dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cela va vous plaire. Mon nom est Pascal, bienvenue sur la chaîne de À qui de jouer, chaîne qui est là pour faire du gameplay, vous faire découvrir des jeux, des choses, l'actualité Kickstarter et autres sur les jeux de société. Donc si cela vous intéresse et que vous voulez me suivre, n'hésitez pas à faire à vous abonner à la chaîne et à faire la cloche pour pas rater une des vidéos quand elle sort. Donc voilà, c'est tout, on se lance dans la vidéo présentation avec Insult en bonus reçu de leur part pour pouvoir bien ranger le tout dans sa boîte et la vidéo gameplay. Et voilà, c'est parti. Donc voici un petit cadeau que j'ai reçu de la part de Paria, directement arrivé dans la boîte aux lettres au Québec. Donc je le remercie énormément. Je vais pouvoir faire une vidéo de gameplay plus tard et de présentation, mais pour l'instant je vous montre l'unboxing en fait de ce que j'ai reçu. Donc c'est accompagné avec un très beau hardbook où il y a énormément de belles illustrations de tous les héros ou les monstres qui sont dans cet univers de l'Ordre de Veil, chapitre 1. Donc très très belles illustrations, vraiment chapeau pour ceux qui ont dessiné ça, chapeau pour tous ceux qui ont fait ça par exemple, qui ont participé à ces belles dessins. Nous avons aussi les protège-cartes du roi. J'ai deux paquets, je ne les ai pas encore déballés, je n'ai pas mis encore à l'intérieur. Et nous avons donc le jeu l'Ordre de Veil, chapitre 1, la fureur du roi. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait la boîte est vraiment énorme, elle est très très lourde aussi, et on dirait un livre, veux veux pas, on dirait un livre qui est scellé par des chaînes, un gros gros livre de bibliothèque en fait, scellé par des chaînes. Et voilà, donc on va ouvrir la boîte. Et petite nouveauté, chose qu'on n'a pas vu encore ailleurs, c'est ils m'ont envoyé le prototype de leur insert, donc l'organiseur on va dire, pour pouvoir ranger le tout dans la boîte. Je mets ça de côté. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est rangé. Le plateau est sur le dessus. Superbe plateau de jeu, énorme d'ailleurs, avec très très belles illustrations dessus aussi. Je ne vais pas le déballer parce qu'il prend beaucoup trop de place. Et voici un des premiers inserts, un des éléments du insert. Donc les petits cubes ici, les différentes jetons pour les niveaux, et ici aussi les différents jetons de 1 à 4. Donc tout ça est assemblé et ça rentre parfaitement dedans. Autre élément, si on enlève le tout, donc toutes ces bordes de héros ainsi que des ennemis, on enlève le tout, voici le reste. Donc ici nous avons un autre d'autres éléments. Nous avons ici en fait, alors on va enlever tout ça, une fois rangé c'est très joli. Nous avons cet insert là en fait où on peut y mettre plusieurs choses si on veut. Donc là j'avais un petit sac supplémentaire, les fameux dés de 20 et les cartes. Et d'ailleurs on peut voir qu'il y a une petite encoche, donc on pourrait mettre ça comme ça et mettre d'autres stocks dessous pour refermer. Donc voilà comment ça rentre. On a aussi celui-ci fait, alors pardon, il y a celui-ci d'abord. Je vais essayer de pas de faire de bêtises. Donc l'autre insert où on peut mettre les 6 dés, la petite miniature ici et la miniature des joueurs, où en fait le groupe de héros à la place d'utiliser en fait ceci qui peut être positionné ici. Là, tous les petits socles qui servent à tenir les cartes debout. Et ici, tous les autres jetons qui sont à l'intérieur du jeu, qu'on peut positionner comme ceci. L'autre chose qu'on a aussi, c'est ça. Ça, en fait, qui pourrait servir à mettre tous les cristaux servant de monnaie d'échange dans le jeu. Donc, on peut les ranger ici directement. On peut aussi les mettre sur le dessus de la boîte,
en couche supplémentaire juste avant de mettre le plateau, mais les cristaux, s'ils sont dessus, vont nous empêcher de fermer la boîte. Donc moi j'ai trouvé le moyen, c'est que je me suis dit que je vais les mettre directement au bout ici, vu qu'il y a encore de la place vis-à-vis des jetons. On déplace un petit peu les jetons par ici. Oups. Ça prend une petite manipulation. Voilà. Et le tout rentre parfaitement. Voilà. Dernière petite chose aussi. C'est ceci pour les différentes cartes. Donc ici, on peut avoir toutes les cartes. Et on a même la possibilité d'avoir une petite encoche pour attraper facilement les cartes. Donc là, toutes les cartes rentrent. Petit souci, si vous mettez des protège-cartes, celles du roi en fait, ici, elles sont un peu trop grosses. C'est ça qu'ils m'ont dit, ils m'avaient prévenu, donc ça ne rentrera pas avec les cartes protégées, avec les protections du roi. Mais je ne les ai pas encore mis, puis je laisse ça comme ça de toute façon. Donc, la couleur orange n'est pas comme ça, hein. En fait, ça ce sont le prototype qu'ils m'ont envoyé parce qu'ils venaient de le finaliser, mais dans leur magasin, le lien est dans la description, j'ai mis le lien pour y accéder, mais c'est possible de l'acheter directement sur leur site internet, et tout est en noir. Et tout est en noir. Donc après, quand on le range, il suffit de remettre les morceaux comme ceci, avec celui-ci après. Et tout ça, c'est fait avec imprimante 3D. C'est pas en carton. Ensuite, on remet le tout par ici. Hop là. Bien sûr, on fait ça comme il faut. Voilà. On remet celui-ci dans un coin. J'ai oublié de remettre les pochettes, mais c'est pas grave. On ferme ceci là. On remet les livres de règles que j'ai laissés en bas, et la boîte se referme tranquillement sans qu'il y ait rien du tout qui fasse soulever la boîte en bas. Donc voilà, c'était l'unboxing en fait de cette très jolie boîte et de son insert qui va avec, qui est très très pratique en fait. Donc merci encore à Paria et je vous retrouve pour une vidéo in gameplay. Nous voilà donc partis pour une petite aventure dans l'ordre de VL, chapitre 1, la fureur du roi. Donc le setup a été déjà mis en place, voici l'équipe d'aventuriers qui vont se lancer, trois personnages, le chevalier qui sera notre défenseur, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a la petite figurine ici indiquant que lui est le défenseur, nous aurons le barbare qui va être la brute de corps à corps, et nous avons le magicien qui est supposément aussi la brute à distance. Ils ont chacun un équipement de base. Nous avons donc une épée courte et un bouclier pour le défenseur, une armure en cuir, une hache légère pour le barbare et une armure en tissu ainsi qu'une dague pour le magicien. Les salles ont été installées. Il n'y aura pas de maître de donjon vu que je joue tout seul. Le forgeron et les cartes ont été mélangées. Là-haut, nous avons les cartes pour l'alchimiste, en vente libre, bien évidemment. Nous n'avons pas de cristaux, donc nous n'avons pas d'argent pour commencer. Nous avons ici aussi décidé d'aller avec l'âme du chasseur calciné comme boss principal. On va essayer de l'atteindre, bien évidemment. Et leur armée. Donc on est parti, tout le monde est niveau 1, tout le monde est correct. Donc c'est parti pour la première salle. Il n'y a pas grand chose à faire. Ah, au niveau des événements, vu que je suis avec trois personnages et non trois personnages, on voit en fait qu'il y a une diminution. Normalement, il y aurait eu déjà une carte événement dès le début, mais comme on est avec trois personnages, c'est moins 1, donc les 6 premières cartes, il y a 0 événement. Donc j'aurai seulement 1 carte événement à partir de 9 cartes dans le donjon. En ce moment, j'en ai que 6. Et tous les ennemis ne lanceront pas de dés vu qu'on joue 100 mètres dans le donjon. Donc tous les ennemis feront des 5 à chaque fois qu'ils lanceront, comme si on lançait des dés pour eux. Le résultat sera toujours 5 en attaque ou en défense. Voilà, donc on est parti. Donc je vais directement aller ici
et ce sera sûrement une carte monstre. On va lancer le dé pour voir combien de monstres nous avons. En sachant qu'on a 3 personnages, le maximum serait 3. Et j'obtiens 3, donc 3 monstres. Je vais prendre les 3 premières cartes qui sont sur le dessus et qui ont déjà été mélangées. 1, 2 et 3. On va les disposer de façon à ce que, en fait, nous avons la goule en premier, la statue animée en deuxième et le lanceur squelette en troisième. Je vais les poser ici, dans cet ordre-là, pour que ce soit un peu plus facile de les voir. Donc on a la goule, la statue animée et le lancier squelette. On va commencer donc, ils sont tous au corps à corps, donc je vais commencer par attaquer avec le barbare en utilisant sa hache légère. Donc sa hache utilise de la force, donc je vais utiliser de la force aussi pour l'attaquer. Je lance le dé de 20. Et je fais un 13, 13 plus 8 de force, ce qui fait un total de 8 et 13, 11, 21. 21 contre une défense de 5 plus 5 de défense de la goule, 10. Le coup est touché, ce qui fait qu'il prend 3 dégâts et il mitige rien du tout car il n'a pas de défense au niveau de son bouclier. Donc il prend 3 dégâts, il en reste 2. Ensuite, nous avons le chevalier qui va faire une attaque aussi sur la goule. Donc lui, il va utiliser son épée courte qui utilise de la dextérité. Donc je lance le dé, je fais un 3. Dextérité de 6, donc ça fait 6 et 3, 9. 9 contre une défense de 10, c'est raté. Malheureusement. Donc ensuite, on y va avec le magicien. Qui lui va faire une attaque avec sa dague, parce que je n'ai pas encore de magie à distance, malheureusement. Donc, on y va avec une dague qui utilise de la dextérité, avec un 18, plus sa dextérité qui est à 3, ici, ce qui fait 21, 21 contre 10, je le touche. Donc, je lui inflige 2 points de dégâts, ce qui fait qu'il lui restait 2 points, vu qu'il n'a pas de bouclier pour mitiger, donc... Il meurt. Et voilà, une goule de morte. Parfait. Maintenant, on va y aller avec l'attaque des ennemis, c'est leur tour. Donc eux, pas besoin de lancer les dés, parce que quand on joue seul et qu'il n'y a pas de maître dans le donjon, on y va directement sans les dés. Donc ils font un 5, plus 3, 8. Et il attaque le défenseur. Alors, le défenseur va lancer son dé. Il fait un 7. 7 plus son bouclier, plus sa défense, pardon, 7 et 5, 13. C'était 5, 12, pardon, je sais vraiment pas compter. Bref, c'est pas grave. Donc, un 8 et 3, 5 et 3, 8 contre une défense trop haute, ça rate. Ensuite, le lancier squelette fait aussi son attaque. Sur le défenseur, donc lui il fait un 5 et 7, 13, 12, pardon, je sais vraiment pas compter, c'est ça le pire, donc un 5 et 7, 12, 12 contre une défense de 3, 5 et 3, 8, donc là il le touche, ce qui fait qu'il inflige 5 points de dégâts, sur notre chevalier. Donc on va diminuer sa vie. 5, moins 1 avec la réduction qu'il a, donc 4. 1, 2, 3, 4. Il reste donc 2 points de vie. Ce n'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme. Maintenant on va y aller avec encore le tour des joueurs. On va aller avec le barbare qui va attaquer la statue animée. Raté. Mais c'est pas grave, on va dire que je l'ai eu ici, donc je fais un 6. 6 est la force de 8. 8 et 6, 14. 14 contre 8. 14 contre 8 et 5, 12. 8 et 5, 13. Je sais vraiment pas compter, c'est l'enfer. Donc je l'ai. Je le touche. Et je lui inflige donc 3 dégâts,
moins 2 à cause de son bouclier. Donc, je fais un seul dégât. Donc, il lui reste 5 points de vie. Ce qui n'est pas beaucoup. Ensuite, on y va avec le chevalier qui l'attaque. 14. 14 plus sa dextérité. Ça fait 20. Donc, il ne bloque pas l'attaque. Donc, je lui fais 3 points de dégâts. Moins 2. Un seul point de dégâts. La statue est très costaud. Hein. Ensuite, on y va avec le magicien, avec sa dague. 6. 6 et sa dextérité. 6 et 3. 9. Contre une défense 2. C'est raté. Donc là, c'est à son tour d'attaquer. Il fait 8. Contre le chevalier, qui fait 9. 9 et sa défense, 9 et 5, 14, donc c'est bon, c'est raté. Et là, le lancier qui attaque, 16, c'est bon, c'est aussi raté. Encore à nous de jouer, donc on y va cette fois-ci encore avec le barbare. 5, 5 et sa force, 8 et 5, 13, 13 contre une défense de 8 et 5, 13, ça s'équivaut, donc je le touche. Donc là, je lui fais en gros 3 dégâts, moins 2, ça fait un seul. Ça va pas très vite, hein. Ça prend même beaucoup de temps pour le tuer. On y va avec le chevalier, chevalier qui fait 9, 9 plus sa dextérité, ça fait 15. Donc là, je le touche et il prend aussi un seul dégât parce que j'en bloque 2. Donc 2 points de vie. Il est vraiment très très résistant. Ok. Et là, nous avons le magicien. Le magicien fait 9. 9 et 3, 12. Et lui, il le bloque avec son 8 et 5, 13. Dommage. Donc là, lui, il l'attaque. Il fait 8 et 5, non, 5 et 3, 8, 8 d'attaque contre, ouh, 2 touchés. Donc là, on a le chevalier qui se prend 3 points dans la face, ce qui fait que il meurt. Et ça va super mal. Hein. Ensuite, on a... le lancier qui attaque avec son 5 7 plus 5 12 12 contre une défense de 17, donc on est correct. Et voilà, donc là on attaque avec le barbare. Le barbare fait 9, 9 plus sa force, 14, et c'est bon, ça le touche, donc je lui fais encore un seul dégât malheureusement, et là on espère en fait le finir avec le magicien qui fait 14, 14 et 3, 17, c'est bon, ça le touche, il fait 2 points de dégâts avec, avec ses 2 de mitigé, ce qui fait qu'il fait 0, lui il attaque. Alors, il fait une attaque de 8. Et c'est un échec total. Et le lancier fait une attaque. Et c'est un échec total. Le barbare attaque. Il le touche. Et il meurt. Finalement, il meurt. Ensuite, nous avons le magicien qui attaque aussi. Directement le lancier. Avec un 6. 6 et 3. Malheureusement, ça rate. Le lancier attaque. Le lancier attaque directement le barbare. Le barbare fait 8. 8 et sa défense de 5. Donc, 8 et 5, 13. Donc, c'est correct. Maintenant, on a le barbare qui attaque. Qui fait 19, donc il le touche, c'est sûr, et il lui inflige
Donc 3 points de dégâts, moins 1 avec son bouclier, donc 2 points de dégâts. Donc il tombe à 4 points de vie. Nous avons ensuite le magicien qui l'attaque, qui fait 19. Donc il le touche, c'est certain. Donc lui il fait 2 dégâts, moins 1, un seul. Donc il tombe à 3. Là il attaque. C'est bloqué directement. Donc là, le barbare réattaque. Il le touche. Donc là, il lui fait encore 2 points de dégâts de plus. Il lui reste 1 point de vie. Et là, le magicien l'attaque. Il fait 2 et c'est raté. Ensuite, le lancier attaque. Le barbare se défend. Il fait 16. Le barbare attaque. Il fait 12. Ça fait donc 20. Il le touche et donc il lui fait 2 points de dégâts, donc il meurt. Voilà, donc on a la goule, la statue animée et le lancier de la première allée qui sont morts. Voilà, ce qui fait qu'on gagne donc 2 cristaux par ennemi tué. Donc là on en fait à peu près, c'est pas à peu près, c'est certain, on en fait 6. Donc on gagne 6 cristaux qu'on peut ramener directement dans notre zone de repos, ici. Ensuite, on lance combien de dés? Je pense qu'on lance 2 dés par ennemi tué. Donc on a tué 3, donc on lance 6 dés. Et tous les chiffres pairs nous donnent donc 2 cartes. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5 cartes. 5 fois 2, 10. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça. C'est ça. Donc, on a le droit à prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est quand même beaucoup, on s'entend là. Les runes, armure en sombre fer, nous avons la lame enflammée, nous avons la dague rituelle osseuse, nous avons l'armure en cuir clouté, nous avons la masse d'humel, nous avons l'armure en cuir clouté une deuxième fois. Voilà. Nous avons aussi la grande hache, nous avons le talisman du débutant, et une rune majeure de vitalité. Donc on a une rune majeure de vitalité et une rune majeure d'intelligence. Très très bien. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est regarder si on peut déjà équiper certaines choses, en sachant en fait que notre chevalier est mort et qu'il restera mort jusqu'à ce que on aille à la zone de repos où là il pourra ressusciter. Je n'ai pas de magie qui peut me donner la possibilité de le faire ressusciter non plus. Donc là, je peux déjà utiliser ce que j'ai trouvé sur les cadavres ou échanger avec mes coéquipiers. En sachant en fait que il y a le coût ici en bas à gauche de chacune des cartes, donc ça peut aller de 1 jusqu'à 4 à peu près au niveau des prix. Donc nous on a à peu près, on a dit qu'on avait 6 cristaux, donc je peux essayer de voir un peu s'il y a quelque chose qui pourrait intéresser, quelque chose pour frapper encore plus fort. Alors ça prend de la force, c'est une armure à une, lame enflammée, 9 de force et 6. Je ne l'ai pas, il n'y a personne qui peut l'utiliser, mais je pourrais monter niveau peut-être pour pouvoir le faire utiliser par le barbare, mais il pourrait utiliser en fait ces deux armes. Nous avons aussi dague de rituel osseuse, ce serait bon peut-être pour lui, mais il n'a pas assez de dextérité pour ça. Une armure, une masse d'humel, force 11. Ça serait bon donc, si je regarde un petit peu, on a
chevalier qui est plus dans la dextérité, donc on aurait cette lame-là pour la force, on aurait la dague au niveau de la dextérité que je garderai peut-être pour Mister Magicien. Donc on aurait ça pour Mister Magicien qui pourrait être intéressant, on aurait ceci pour Mister Barbare qui pourrait être intéressant, l'intelligence qui pourrait être intéressant aussi pour Mister Magicien, la vitalité qui serait bon en fait pour notre chevalier, plus de vie, ça utilise de la force toujours, de la force pour ces deux armures, donc on pourrait mettre une armure aussi pour lui et une armure pour lui vu qu'il n'en a pas, on pourrait directement l'équiper en fait, même s'il est décédé pour l'instant, ça prend 5 dextérité et 5 de force, il a 6 et 6, donc on pourrait l'équiper. Même s'il est décédé, ce sera pour plus tard, de toute façon. Nous avons la masse qui demande de la foi et la dextérité. Intéressant. Donc, ça pourrait peut-être être lui, à voir. Nous avons la grande hache qui demande de la force et la dextérité, mais qui tient à deux mains et qui fait 9 de dégâts, ça pourrait être aussi pour lui. Talisman, foi, donne une cible alliée, plus de défense et plus de d'attaque pendant 2 tours. Très intéressant. Ça pourrait être pour lui, x 8, la fois de 8 avec 5 d'intelligence. Malheureusement, c'est un petit peu l'inverse, mais pourquoi pas. Et nous avons l'armure en sombre fer, qui demande une force de 9 et une dextérité de 5. À voir, ça pourrait être en fait une meilleure armure peut-être. Quoique... Si on y pense, ben on a une défense de plus 4. Donc ça pourrait être encore meilleur pour lui. Donc ça pourrait être intéressant pour lui à la fin. Maintenant, est-ce que je peux débloquer ou faire monter de niveau quelqu'un pour qu'il soit plus fort? Peut-être lui. Peut-être je peux le faire augmenter au lieu d'utiliser la hache légère qui donne 7 points de dégâts. Je pourrais y aller peut-être avec directement la lame enflammée. Ici, il faudrait juste que je monte de niveau un petit peu, de 1. Mais il faudrait que je le monte de 2 niveaux, en fait, pour pouvoir lui mettre, en fait, un 9 et un 6 de dextérité, parce que c'est ça qui lui manque. Donc, pour pouvoir l'augmenter et passer au niveau 2, il faudrait que je dépense directement un cristal pour passer au niveau 2. Donc, je mets ça d'un cristal. Non, je peux pas le faire augmenter tout de suite, malheureusement. Je me trompe. C'est seulement de la zone de repos que je peux le faire augmenter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder ça de côté, parce que c'est la seule chose que je peux utiliser, à moins que je puisse utiliser l'armure en cuir clouté aussi. Il a besoin de 5 et de 5, il y a 8 et 5, donc je vais la mettre par rapport à lui. Ce sera beaucoup plus intéressant que... celle-ci. Voilà. Donc, ce que ça donne, en fait, on va s'arrêter là. Je vais mettre ça ici, comme ça. Est-ce que lui peut porter quelque chose? Pas vraiment. À moins que il n'a pas assez de force. Je pense qu'il n'a pas assez de force, ici. Ça prend 4 et 5. Non, il n'a pas assez de force de dextérité pour pouvoir avoir une autre armure. Donc, ça va s'arrêter là, je pense, pour les équipements possibles. Malheureusement, ça va s'arrêter là pour les équipements possibles. Donc, j'ai déjà mon défenseur qui est décédé. Si je me souviens un petit peu les autres salles, ce qu'on va avoir de possible dans les autres salles, ça va être en fait 2 coffres et une salle vide. Parce qu'en fait, au début, il y a toujours 3 monstres, et ensuite, c'est 2 coffres et une salle vide, complètement par hasard. Donc, je pense que je peux avancer, même si mon défenseur est mort, ou KO, pour pouvoir aller directement voir ce que ça peut donner. On va faire ça. Donc, je vais avancer ma troupe, et je vais aller ici. On gagne plus en endurance, mais j'en ai personne qui en a perdu, et je vais aller ici, et j'ai une salle vide. Pas de chance. La salle est vide à l'exception du corps sans vie d'un guerrier, donc les joueurs trouvent 2 cristaux. Donc je gagne 2 cristaux ici de plus. Voilà. Donc ça termine ici nos 2 premières allées. On va retourner
dans la zone de repos. Et là, on va pouvoir continuer en fait à upgrader certains personnages et ressusciter notre chevalier, bien évidemment. Voilà. Donc nous sommes de retour dans la zone de repos. En arrivant dans la zone de repos, on a droit à 5 cartes en fait du forgeron. 1, 2, 3, 4, 5. 5 qui nous donne encore une rune d'endurance de plus 1, une rune de force de plus 1. Et nous avons aussi une armure en tissu. Et talisman d'ivoire et une épée bâtarde. Une épée bâtarde. Ça pourrait être bon ça. 6 et 6. Il faudrait juste que je monte en fait. Force et dextérité. Ok, parfait. Chose que j'ai oublié de faire tout à l'heure en changeant d'armure. Celle-ci, c'est une armure cloutée. Si j'y réfléchis, est-ce que je l'ai eu tantôt? Oui. Parce que l'armure que j'avais de base, c'était l'armure en cuir, ça me coûtait 2. Donc, j'utilisais donc 2 cristaux. Ensuite, celle-ci que j'avais posée, celle qui est là, qu'on voit peut-être pas, mais celle que j'avais posée ici, l'armure en cuir cloutée aussi pour notre 1, ça coûtait aussi 2. Donc, c'est encore 2 moins. Donc là, en fait, il me reste maintenant la lame enflammée que j'ai mis, la grande hache ou l'armure en cuir. La chose que je pourrais peut-être faire par rapport à ce que j'ai trouvé, c'est essayer de rendre Mister encore plus fort. Donc, mon barbare encore plus fort. Je vais aussi enlever les 3 ennemis qui sont là. Les mettre ici dans la défausse. Et voici pour la suite. Étant donné que je vais aller maintenant dans une autre salle, je vais avoir directement un événement qui va être disponible. Donc, ça va être une case événement ici. À partir du moment où j'ai un combattant en fait qui va faire une attaque de 5 et moins, l'événement va se déclencher pour celui qui a fait le lancer. Ok, donc pour ce qui est du reste, force plus 1 en force, ça pourrait être bon. Moi, je pense que je pourrais y aller aussi avec Talisman d'Ivoire. Il y a beaucoup au niveau de la foi. Mais il n'est pas très bon en foi. Il est plus bon en intelligence. Il faudrait que ce soit l'inverse. Quelque chose avec de l'intelligence en premier. Donc, je pourrais y aller avec l'épée bastarde qui prend 2 mains, mais qui donne 5 de dégâts. Et monter donc mon barbare de 1 niveau pour avoir 1 de dextérité. On pourrait faire ça. Donc, et elle me coûte juste 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter de 1 mon barbare. Donc, le niveau 1, il passe au niveau 2, ici. Comme ça. En passant au... Oups, j'ai bougé ça. Donc, vitalité, endurance, j'étais à 5. On a aussi notre chevalier qui revient à la vie. Donc lui, il revient à la vie. Il y avait 6. Ici. En passant au niveau 2, je peux monter une capacité de 1. Donc, je vais monter une capacité de 1 et je vais monter ma dextérité au niveau ici de 1. Et je vais payer aussi un cristal pour être capable d'utiliser l'épée bâtarde. Directement ici, une arme à 2 mains. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vendre un petit peu les choses qui ne m'intéressent pas. Donc, l'armure en cuir pourrait être intéressante en fait pour mon mage. Mais pour l'instant, je vais la garder. L'âche légère, je vais la vendre. Ça va me donner un cristal. En fait, tout ce que je vais vendre, je vais le mettre ici. Donc, je vais vendre ça. Nous avons aussi ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait l'armure de sombre fer qui va nous coûter très très cher pour l'instant, donc on va pas l'utiliser. Je vais déplacer encore un petit peu ça pour pouvoir être plus capable de mieux voir. Voilà. Ce sera mieux comme ça. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
L'âge léger, je vais la vendre. On a rune. Ça, ça fait de la force de plus. Donc, c'est pas très très puissant. On va essayer de mettre autre chose à la place. Ici, on avait quoi? On a une rune, je pense. Et l'armure en sombre est trop chère. Dans ces cas-là, je vais essayer de passer au niveau 3. Parce que l'objectif, c'est d'aller jusqu'au niveau 3 pour être capable de débloquer leur capacité à chacun d'eux. Capacité qui pourrait être utilisée ensuite avec de l'endurance en général. Ça prend deux endurances. Donc, c'est pas mauvais d'avoir de l'endurance supplémentaire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que une armure en tissu, j'en ai déjà une, donc je vais la vendre aussi. Ça va me rapporter un cristal de plus. Rune de force, rune d'endurance, talisman. On a ici... Qu'est-ce qu'il a, lui? Beaucoup trop de choses, je pense. Rune majeure d'intelligence. Talisman du débutant. Talisman d'ivoire. Alors, le talisman du débutant d'ivoire donne plus 4 d'attaque pendant 2 tours à un ami. Et lui, c'est plus... Donne 2 de défense et 2 d'attaque pendant 2 tours. C'est pas mauvais. Ça prend 8 au niveau de la foi. Et 5 au niveau de l'intelligence. Moi, j'ai 8 et 5. C'est l'inverse. C'est dommage. Et lui... il faut avoir 9. Donc j'irai plus avec lui en premier. Ensuite, on a lui qui demande 11 au niveau de la foi. Rune d'intelligence plus 2. Hein. Je pourrais peut-être... Combien j'ai? Si je dépense, là je vais me faire 2, donc j'en aurai 4. Donc, voilà. Si je dépose ça, ça me fait plus 2 en intelligence, mais moi c'est plus la foi qui m'intéresse. Dague de rituel osseuse. Elle me coûte 1, 6 en dextérité, j'aime même pas ce qu'il faut. On va la garder. On va tout garder pour l'instant. Ça, on va le garder. Ça, on va le garder. Ça, on va le vendre. Ce qui nous donne 2 cristaux. En nous donnant 2 cristaux, ça donne la possibilité, en fait. On pourrait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Je pense que on pourrait augmenter un petit peu le niveau de tout le monde. Donc, je vais augmenter le niveau du magicien, le niveau du chevalier. Donc, ils passent tous les deux à 2. Voilà. Ils passent tous les deux à 2 directement. Niveau 2. Et... Donc, ils ont le droit d'augmenter de 1 une capacité chacun. Donc là, on va augmenter en fait. Ici, on va augmenter pour lui. Oh, j'ai quelque chose qui s'est glissé ici. Magnifique. Quand le jeu se démantibule. De toute façon, je pense qu'il fallait que je change ça, vu que maintenant, j'ai plus 2 de défense grâce à mon armure. Et j'ai plus 2 au niveau des dégâts. Donc, on va prendre ceci. Et là, on va le passer à 2. Voilà. Lui, on est à 2 et 2 aussi. Donc là, on va rajouter 2 en défense et 2 en réduction de dégâts. Ici. Je l'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. Ici. Et lui, il est toujours à 1 en réduction de dégâts. Et à 1 en défense, qui doit être... qui a dû bouger et qui doit être quelque part là-dessous. C'est pas grave. On va laisser ça comme ça. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je monte... J'avais dit que je montais à 1. Je vais monter la foi. Ouais, je vais monter la foi ici, de 1 pour lui, et je vais monter, ici j'aurais aimé avoir plus de force, donc monter ma force, ici,
même si c'est la dextérité avec laquelle il frappe. Mais ouais, on va y aller avec... maintenant, il faut mieux me prendre en défense, donc je vais y aller avec la force, ici. Voilà. Il me reste ça. Je vais prendre 2 pour monter le niveau le barbare et le placer au niveau 3. En plaçant au niveau 3, je peux encore augmenter de 1 quelque chose. Ça va pouvoir possiblement être dans ces cas-là. Qu'est-ce que je pourrais monter? Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Au niveau des armes. Non, il n'y a vraiment rien de plus au niveau des armes. Non, rien du tout. Donc je pourrais peut-être monter une intelligence, rune de force. Je vais monter sa force. Bon, je vais monter de 1 sa force. Pour qu'il frappe encore plus fort. Et maintenant, j'ai débloqué sa capacité de niveau 3 qui est l'attaque sautée. Voilà. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai 3 personnages. Donc je prends ces deux-là. En fait, quand il n'y a pas de maître donjon, je prends ces cartes retournées plus 2 autres. Donc on va dire celle-ci et celle-ci. On va les mélanger. Avec un bon mélangeage à 4 cartes, bien évidemment. Voilà, et on va poser tout ça ici de façon aléatoire. Voilà, c'est parti. Donc on retourne se battre. Je vais enlever ça pour pas me mélanger. On va commencer par la salle qui est ici. Ça va être un monstre, c'est sûr et certain. Donc là, on va lancer le dé. Un seul dé pour savoir combien de monstres on va devoir se battre. On passe à 5, maximum 3 vu qu'on a 3 personnages, donc 3 nouveaux monstres vont se battre contre nous. Nous avons donc l'archer squelette, le lancier squelette et l'assassin squelette. Alors dans l'ordre, on va mettre le spécial. J'ai oublié de mettre les 3 nouvelles cartes, donc je vais mettre tout de suite les 3 nouvelles cartes qui comportent en fait une Yann corrompue, un monstre puissant et une salle piégée. Donc je mélange ces 3 cartes, ces 3 salles, on va dire. Voilà. Et je pose ça ici pour le prochain niveau qui s'appelle en fait le niveau 1. Difficulté niveau 1, parce que là on était aux difficultés niveau 0. Et maintenant les ennemis vont augmenter. Donc ils vont passer en fait au niveau. Ils sont plus forts. Au début c'était 5, là c'est 7 et là maintenant ça va être 9. Parfait. C'est parti, nous avons un monstre, 3 premiers monstres. Donc nous avons l'assassin squelette, nous avons une attaque de 6, défense de 7, nous avons le lancier, attaque de 7, défense de 6, et nous avons l'archer squelette, attaque de 6, défense de 2. Parfait. Donc on s'acharne directement avec notre barbare sur... Il va faire une attaque avec son épée. Combien de points de vie? 5. Donc une attaque avec son épée directement. Comme il n'a pas... Comme il n'a rien du tout pour pouvoir diminuer les dégâts. On va ne pas utiliser en fait sa capacité. Et on va l'utiliser en plus sur le deuxième ennemi, je pense. Parfait. Donc on y va. On attaque. Je fais un 18. Donc c'est sûr et certain qu'avec le 18, il ne peut pas se défendre. Donc là, je lui fais 5 dégâts directement dans sa face, qui ne peut pas mitiger du tout. Donc, il est mort. C'est fait. Et le barbare a joué. Maintenant, c'est au tour du chevalier. Le chevalier va attaquer le lancier avec son épée courte, dextérité. Donc je lui fais 6. Plus 6, ça fait 12. Et lui, il bloque 6 et 5, 11. Fiu, je le touche. Donc il prend 3 dégâts, moins 1, et en prend 2. Donc il se retrouve avec 4 points de vie. Maintenant, c'est au tour du magicien qui attaque avec sa dague. Qui fait un 20, donc c'est un crit.
Donc en fait, ça fait double des dégâts. En étant de critique, ça fait double des dégâts. Donc je fais pas 2, mais je lui fais 4 dégâts. 4 dégâts. Et en fait, en faisant un critique, si je dis pas de bêtises, je vais tout de suite regarder ça. x2, c'est ça, x2, les dégâts x2, donc je lui fais 4 dans sa fat, 4 moins 1, ça fait 3, donc il lui reste 1 point de vie. Là, c'est à son tour d'attaquer, donc là, il fait une attaque de 12, 12 contre le chevalier, qui se défend, c'est parfait, et on a l'archer squelette qui fait aussi une attaque de 11, qui est bloqué, donc c'est annulé. Là, on a le barbare maintenant qui attaque. 17, c'est bon. Donc là, il explose. Maintenant, il y a le chevalier qui va attaquer l'archer. C'est bon, il le touche, il ne peut pas le bloquer. Donc là, il lui donne 3 coups. 3 coups moins 1. Donc, il passe à 2. Et il lui reste donc 3 points de vie. On a le magicien qui attaque. Était un échec total. J'ai fait un 1. C'est pas grave. Donc là, l'archer attaque. L'archer, en fait, il ignore le défenseur. Donc il va attaquer le barbare. Il attaque le barbare avec 11. Et là, on a un 10. 10 et 5, 15. C'est raté. Maintenant, on y va avec le barbare qui attaque. Lui fait un 20, donc c'est un double. Donc c'est sûr, il ne peut pas du tout bloquer quoi que ce soit. Donc 5 x 2, ça fait 10. Donc il l'explose, il est mort. Voilà. Donc ces 3 ennemis sont morts. Là, le fait de les avoir tués nous donne la possibilité d'avoir donc 2 cristaux par ennemi tué. On repart à 6. 6 qui vont dans la zone de repos. On lance 6 dés parce que c'est 2 dés de 6 par ennemi tué. Et on regarde combien on en a de paires. Donc on en a 1, 2, 3. 3 paires. 3 x 2, 6. Donc 6 cartes du forgeron. 1, 2 et 3. On regarde vite fait s'il y a quelque chose qu'on peut utiliser. En ayant 6 cristaux pour les acheter. Donc ici nous avons une clémore du Raï qui inflige 8 de dégâts et offre un bonus de plus 2 au jet d'attaque. À 2 mains, 9 en force, 8 en dextérité. Notre barbare a ce qu'il faut en force mais pas en dextérité, mais ça pourrait être très intéressant. Le catalyseur du dragon qui demande 8 en intelligence et 7 en foi. Nous avons 8 en intelligente et 6 en foi, malheureusement. Mais ça pourrait être très très bon pour notre magicien. Nous avons la rune majeure d'intelligence, on va la garder de côté. Nous avons l'arc court, qu'on va garder aussi de côté. Et nous avons donc aussi 2 runes, une de force et une de vitalité, que nous allons garder de côté, je pense. Voilà. Donc là, on va directement avancer au prochain endroit. Donc on va aller ici. Ici, ça va nous donner un coffre. Donc on a un coffre. Ouvrir le coffre coûte 3 cristaux et permet au joueur de piocher 2 cartes chez le forgeron. Donc à ouvrir quand nous serons retournés en ville. Et donc on va aussi avancer et directement aller ici. Des lianes corrompues, donc 2 joueurs paient 2 points d'endurance puis effectuent un jet de force cumulé à 35, s'ils échouent la porte reste bloquée, ils doivent changer d'aile en avançant, le maître de donjon pioche une carte d'événement, les joueurs trouvent 3 cristaux, donc en gros je pense qu'on trouve 3 cristaux de toute façon, ma compréhension c'est qu'on trouve 3 cristaux, 1, 2, 3, pas facile des fois de... Donc on aurait 3 cristaux ici. Ensuite, on va devoir faire dépenser 2 points d'endurance.
Donc chacun, donc je vais y aller avec lui, 1, 2, on descend à 4, et lui, 1, 2, on descend à 3. Et on va leur faire faire un jet de force, et essayer de cumuler jusqu'à 35. Donc, jet de force, on y va. Donc on y va avec le barbare, on enlève les dés ici. Le barbare, qui fait 10, plus sa force, 19. Et nous avons le chevalier, qui fait un échec total, donc on n'est pas du tout à 35. Donc, comme on échoue, on fait la porte reste bloquée, et en plus, on a un événement qui nous pète en pleine face. Et donc, c'est celui-ci, et c'est celui sur le défenseur. Donc un soin, ça un événement qui est intéressant, cool. Ça rend 10 points de vie à un monstre ou 20 points de vie à un boss. Le soin ne peut pas augmenter le total de points de vie du monstre ou du boss, mais il peut empêcher sa mort. On n'a ni boss ni monstre en ce moment, donc c'est un événement dans le vide. Voilà, donc on le défausse. On le met ici, dans la défausse. Voilà, donc là on va pouvoir retourner dans la zone de repos vu qu'on a avancé jusque là. Donc on retourne ici dans la zone de repos. On a un coffre qu'on pourrait ouvrir, mais là on en a quand même 5 au niveau du forgeron. 1, 2, 3, 4, 5. Regardons vite fait ce que nous avons. Nous avons une armure en fer. Ça donne 2 et 3 de défense, donc c'est meilleur que ce qu'on a en ce moment. Ça prend 6 en force et 5 en dextérité, donc ça pourrait être intéressant pour notre chevalier. Une rune encore. Nous avons catalyseur du mage, 8 et 3, ça inflige 4 points de dégâts. Oui, ça pourrait être intéressant. 8 en intelligence, 3 en dextérité. Ok. Ça pourrait être quelque chose que je pourrais utiliser tout de suite. Ça me coûterait juste 1. Donc c'est déjà ça. Je l'ai 2 fois, donc j'en ai pas besoin. Donc celle-là, je vais la vendre. Ensuite, nous avons Talisman de la Lune qui demande 9 en foi et 6 en intelligence et donne à une cible alliée 4 de défense pendant 2 tours. C'est intéressant. Donc, je vais les garder. Et nous avons une rune majeure en foi qui donne plus 2. Ça, c'est pas mauvais parce que lui, au niveau de la foi, si je l'achète 3, il va passer en fait à 8. En étant à 8, qu'est-ce que je pourrais utiliser? En étant à 8, je pourrais directement porter ça, si j'ai assez d'argent. Le catalyseur du dragon. Donc il frapperait beaucoup plus fort, et en plus il frapperait à distance. C'est pas mauvais ça. Donc ce que je vais faire, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais utiliser... Oui, ma rune que j'avais il y a 2 secondes. Celle-ci, la rune majeure de foi, ça me coûte 3. 3 cristaux. Je l'équipe à mon gars ici, ce qui fait qu'il y a plus 2 en foi. Donc on va mettre un petit 2 au niveau de la foi. Grâce à la rune, ici, fait que je passe 6 et 2, 8. En étant à 8, je peux utiliser le catalyseur du dragon avec 3 pour 3 que j'achète de 3. Enfin, il va être plus fort. Et donc, lui, il passe à 8 points de dégâts en utilisant l'intelligence. C'est pas mauvais. Donc, je me débarrasse de la dague que je vends. Je mets l'arme à deux mains à lui, ici. Parfait. Super. Il me reste... Ça bouge un peu toutes ces petites choses. Hein. Il me reste en fait catalyseur du mage, celle-là je peux la vendre. J'ai meilleur. Rune, rune, rune. L'arc. L'arc, je vais m'en débarrasser. J'en ai pas besoin. Rune, rune, une rune. Talisman. Ça peut être intéressant, talisman, mais je peux plus l'utiliser. À part si je le mets sur personne. Donc on verra plus tard. Ça aussi on verra plus tard. Une autre rune. Rune d'intelligence, parfait. Nous avons une dague. Je pense que la dague, on va laisser tomber. Quoique la dague, en force, 6 en force, 6 en dextérité et 3 en force,
elle est meilleure pour mon chevalier que ce qu'on a en ce moment. C'est dommage, hein, mais c'est ça. Donc, limite, je pourrais l'utiliser. Est-ce que j'ai meilleur que ça? Il y a aussi la Clémor d'Erius que je pourrais essayer d'avoir. Ça me prend 9 et 8. Lui est à 9 et pas à 8. Donc, je pourrais peut-être utiliser quelque chose pour... Attends, on va voir. Ça coûte 3. Il me reste juste 3. Donc, malheureusement, je peux pas. Je peux pas. Ah oui, je vais déjà vendre ça. Donc, en vendant ça, je me retrouve avec 4 de plus. 4 cristaux de plus. Tombé à 7, ce qui est pas mauvais en soi. Ok, donc en étant à 7, je peux peut-être utiliser une rune. J'ai besoin de quoi? Dextérité. Dextérité. Y a-t-il une rune de dextérité quelque part? Rune. Pas de rune de dextérité, dommage. C'est pas grave. Donc peut-être que je pourrais utiliser. Est-ce que j'ai autre chose pour lui? Non. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça. Je vais dépenser une pour ça. Et donc, changer mon épée courte contre la dague, c'est déjà mieux. Et je vais vendre ça. Donc, je récupère en fait le cristal que je viens de dépenser. Autre chose, l'armure. L'armure en fer qui est meilleure ici, est-ce que je pourrais l'équiper? Si je regarde bien, 6 et 5, 6 en force et 5 en dextérité, donc oui, j'aurai une meilleure défense et elle me coûte 3, donc il faut que je dépense quand même 3 pour pouvoir la porter. Celle-ci, je vais la 5 et 5, je vais la vendre. Ça va me récupérer un cristal et lui... Je la pose ici. Voilà. Donc là, je passe maintenant à 3 en défense avec mon armure au lieu de 2. Donc j'enlève ceci. Et j'y mets un petit 3 ici. Donc ma défense est encore meilleure. Et ça, c'est pas du tout négligeable. Pas facile de déplacer le tout. Voilà. Je pense que c'est tout. Au niveau des affaires, j'ai pas eu de nouveau bouclier malheureusement, donc c'est pas mal ça. Parfait. Ah, il me restait encore la lame enflammée et la grande hache. Donc la grande hache, je pense que je peux m'en débarrasser. Quoique je l'aime bien, force 11. Force 11, non, je l'ai pas. L'armure en cuir clouté. Celle-là, je peux la vendre. Parfait. Donc, la lame enflammée, 9, 6, 7 points de dégâts quand même, serait limite meilleur en fait que l'épée Bastard. Est-ce que j'ai 9 et j'ai 6, je pourrais l'utiliser pour 3, en attendant la Claymore du Race. Je pense que je vais faire ça, donc je vais me retrouver en fait avec 7 points de dégâts. 7 points de dégâts. Donc 9 et 6. Donc je vais dépenser 3. 3, 3, 3. Ouais. Je vais dépenser 3 ici. Pour pouvoir mettre celle-là. Celle-là, je vais la revendre. Donc ça va faire 1. Et l'armure aussi, je l'ai vendue. Je pense que j'ai oublié de la remettre. La revendre ici. Et je vais mettre la lame enflammée ici. Donc je récupère 2, je pense, si je me trompe pas. Ce qui fait que maintenant, au niveau de la vitalité, j'ai oublié de leur monter l'endurance. Lui, il repasse à 6. Lui, il repasse à 5. Et lui, il n'y a rien qui change, on est correct. Donc là, on est bon, en fait, pour repartir pour un tour. Ouais. Donc là, je me remets ici. Je prends ces 3 cartes. J'en prends 3 au hasard. 1, 2 et 3. Je remélange le tout. Alors on a quand même plus de cartes à mélanger. Voilà. On remélange le tout. Je pense qu'on est bon.
on repositionne ça un petit peu n'importe comment. Et là, on va rajouter trois nouvelles places, trois nouvelles salles, vu qu'on monte encore d'un cran. Voilà, au hasard. Deux, trois, on est presque au dernier niveau. Hein, presque au dernier niveau. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, si je dis pas de bêtises, on va rajouter deux événements, un pour ici et un pour ici. Donc on se retrouve avec deux nouvelles cartes d'événements qui se déclencheront si un attaquant fait 5 ou moins. Et on est bon. Maintenant, la seule chose que je vais faire, c'est peut-être monter de niveau encore pour essayer de passer chacun des deux autres au niveau 3. Donc ça me coûte 2. Pour passer au niveau 3, donc ils passent tous au niveau 3, c'est bien. Et là, ça me coûte 2 pour passer au niveau 3 lui aussi. Voilà. Niveau 3. Donc j'ai droit à un point de plus que je vais mettre en fait dans intelligence. Donc plus 1 au niveau intelligence ici. Et lui, au niveau de la dextérité, je vais augmenter de 1. Voilà. On est correct. Il me reste un cristal que je pourrais peut-être utiliser pour une rune. Donc force, plus 1 en force, ce serait pas mauvais. Donc peut-être ça. Ou on aurait peut-être ça pour lui. Ou... endurance, talisman, intelligence plus 2. Lui, l'attaque en intelligence, ça serait pas mauvais. Donc, je pourrais mettre lui aussi. Ça coûte 3, je peux pas. Oublie ça. Lui, force plus 1 aussi, il y a ça. 1. Ah, il y a lui. Non, oublie ça. Et armure en sombre, écoute, non, écoute, 4. Je regarde là-bas. Talisman du débutant. Non, c'est bon, ça va être ça finalement. Donc je vais dépenser le dernier cristal qui me reste ici pour ajouter la rune de force sur mon barbare qui va mettre plus 1 en force sur la rune, grâce à la rune. Donc on passe à 10 en force. Pas négligeable du tout. Parfait. Donc on est parti. Là on y va avec... je vais y aller avec ces salles-là. Tiens, nous avons une liane corrompue, ça c'est dommage. Donc on commence par dépenser 2 points d'endurance. Donc on va faire avec lui, celui qui en a le plus, et lui, parce qu'il y en a le plus aussi. Et on fait un dé, sauf que... non, c'est un truc de force, donc on va pas y aller avec lui, on va remonter. Et on va y aller avec le barbare, parce que c'est lui qui a le plus de force, parce qu'il faut qu'on fasse en fait un test de 35. Donc là maintenant, les joueurs trouvent 3 cristaux, donc on trouve quand même 3 cristaux. Et là, je vais lancer le dé directement, et je dois faire 35 cumulé avec les deux. Donc là, le chevalier lance, il fait 20. Donc c'est un 20. Parfait. 20 plus sa force, 27, boum. Et ici nous avons le barbare, il fait 3, 3 plus 10, 13, 27 et 13, ça fait 40, 27 et 10, 37, c'est bon, 40, on a réussi, wouhou. Donc là en fait, comme on a réussi, on peut avancer. On est correct. Finalement, on a quand même survécu à la liane corrompue et on lui a pété la tronche. La porte s'ouvre, on avance. On va aller ici. Et là, nous avons une salle vide, malheureusement, mais on a 2 cristaux. Parfait. On va aller ici. On a un coffre. J'avais pas un coffre aussi que j'ai oublié d'ouvrir, mais j'avais pas l'argent pour. J'ai dépensé ailleurs. Donc j'ai pas ouvert le coffre de tout à l'heure. Donc cette fois-ci on a un coffre, on va essayer d'y penser. Et je continue encore pour aller ici. Nous avons
le royaume des morts. Donc ça, c'est en fait la salle spéciale du boss, l'âme du chasseur calciné. Alors, le royaume des morts, il y a écrit, les joueurs affrontent l'âme du chasseur calciné ayant 10 points de vie par joueur. La vitalité et l'endurance des personnages sont inversées au début du combat. Elles peuvent dépasser les valeurs maximales des personnages le temps du combat. Pour tout butin, les joueurs récupèrent 6 cartes de forgeron et 10 cristaux. Un joueur peut porter cette carte de salle comme un objet consommable. Elle le protège contre la touche spectrale de l'âme du chasseur calciné. Donc ça, en fait, ça va se manifester quand je me batte contre lui. Donc là, c'est un considéré en fait comme un objet, je pense. Un joueur peut porter cette carte de salle comme un objet consommable. Elle le protège contre le toucher spectral. Donc on va le mettre au chevalier. Voilà. Donc là, étant donné que je suis tombé sur ça, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer cette carte par un monstre puissant. Donc en gros, là, je vais me battre contre un monstre puissant. Les joueurs affrontent un monstre puissant ou deux si au moins un joueur est au niveau 5. Personne n'est au niveau 5. Alléluia. Donc on en prend juste un. Donc on a ici les différents monstres puissants. Comment faire? Je pense que je vais faire ça sous la table. Je vais aller tranquillement sous la table, mélanger sans regarder. Je mélange, je regarde pas et je vais en prendre un au hasard. Voilà. Et là, on a celui-ci qui se manifeste. Boum! Non, ça c'est la... Non, ça marche pas. Ça, c'est la défausse. Je me suis trompé. C'est pas les bonnes cartes. On recommence. Ok, donc là, on a les 5 monstres puissants. On va faire ça sous la table et on va en choisir. Donc, je mélange sous la table sans regarder. Hein, ça sert à ça, la table, justement. Et je vais en prendre un au hasard. Celui-ci. Et je me retrouve avec le dernier géant. J'en ai qu'un seul parce que je n'ai pas de personnage de niveau 5. Donc, je me bats juste contre un seul monstre puissant. Donc là, on se bat contre... le dernier géant. Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'on peut le voir? Je pense qu'il n'aime pas ça. La caméra n'aime pas ça. Ah, le dernier géant. On peut le voir. Donc lui, en fait, il a une attaque de 5, une défense de 9. Il inflige 6 points de dégâts. Lors d'une attaque, un jet supérieur ou égal à 16 est considéré comme un coup critique. Et il frappe 2 fois. Il a une diminution des dégâts de 2 et il a 25 points de vie. Voilà, magnifique. Alors, on va le poser ici. Et on va se battre contre lui. Super, donc c'est parti. On va commencer avec le barbare. Alors, le barbare va y aller comme une flèche. On va dépenser peut-être 2 d'endurance pour faire au prix d'un jet de force supérieur ou égal à 15. Le barbare inflige les dégâts de l'arme, plus 3 à un ennemi. Parfait. Donc ça ferait que je pourrais faire 10 coups. Donc on va dépenser 2 d'endurance ici. Donc il tombe à 1. On va essayer de faire un jet de force supérieur ou égal à 15. On prie, parce que ça peut être raté. On l'espère, on lance. 15. Donc on est correct, je l'ai réussi. Donc là, je lui fais 10 de dégâts, vu que là, j'ai un fiche 7 de dégâts avec la lame enflammée, et plus 3 à l'ennemi, donc je fais 10. 10 moins 2, il se prend 9 dans la face, donc 25 moins 9, et il reste 16. Donc on va faire un truc comme ça, voilà. Il reste 16 points de vie. On va faire quelque chose comme ça. 16 points de vie. Boum. Là, maintenant, on va y aller avec le défenseur qui, pour son niveau, en fait, c'est un blocage parfait. Si le chevalier devait subir des dégâts, il doublerait la réduction de son bouclier et l'effet peut annuler un échec critique. Est-ce que lui, il ignore, vu qu'il attaque 2 fois? Alors, il inflige 6 points de dégâts et lors d'une attaque,
un G supérieur ou égal à 16 est considéré comme un coup critique. Donc, il peut, ben, est-ce qu'il peut faire 16? Ben non, parce qu'en fait, de base... Ah oui, parce que là, en fait, ici, ils sont à 5, 7, 9, 11. Donc là, il fait 16. Il fait 16. Supérieur ou égal à 16 est considéré comme un coup critique. Donc, grâce à la magie qu'on fait, comme le fait qu'on n'a pas de maître du donjon, ben c'est systématiquement un 16 que lui, il va faire. Super! Donc, il se prend un coup critique. Donc, je vais utiliser la capacité du chevalier en utilisant deux endurances. J'étais à 4, je descends à 2, ici, pour utiliser la capacité qui est ici. Donc, je vais mettre un petit truc comme quoi je l'utilise ici. Et là, donc, je vais pouvoir diminuer les dégâts. Et l'effet peut annuler un échec critique. Parfait. Good. Et là, on a le magicien qui va attaquer. Donc, lui, il fait une attaque avec son catalyseur du dragon en intelligence. 19. 19 plus intelligence de 9. Donc, il explose la défense du dernier géant. Donc, il fait 8 dégâts. Moins de 6. Donc là, moins de 6. Donc, on était à 16. Il lui reste donc 10 points de vie. On va mettre 10. J'ai pas ça. On va se rappeler qu'il lui reste donc 10 points de vie. 10 points de vie. Voilà. 10. On retient. 10. Parfait. Lui, il attaque. Il attaque le chevalier, il fait 16, c'est certain, donc il va même frapper deux fois, donc il fait une fois, il fait 16. Là, avec ça, si le chevalier devait subir des dégâts, il double la réduction de son bouclier, l'effet peut annuler un échec. Donc, il double la réduction, donc s'il prend des dégâts, ça double avec le bouclier. Donc, au lieu de prendre 1, il va réduire de 2. Donc là, on va essayer de le bloquer au complet. Donc, c'est considéré comme un coup critique. Un coup critique, c'est x2 les dégâts. Oh là là, donc vaut mieux finalement que on y arrive. Bloom, 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 on y va, on lance. J'ai fait 7. 7 plus la défense. Il a une défense de 8. Malheureusement, il prend les dégâts en pleine face. Donc là, mon chevalier limite, même avec sa capacité, parce qu'il prend 6 et 6, 12, 12 moins 2, t'es mort, man. Peu importe. Il est mort, chevalier. Bye. You're dead. Voilà, c'est magnifique. Donc là, maintenant, ce qu'on peut faire... C'est comme il attaque une deuxième fois, et comme là il frappe deux fois et il y en a un qui est déjà mort, il va s'attaquer au barbare. Oh my god, le barbare va se faire défoncer si je comprends bien. Donc là il fait un 16, là le barbare essaie de se défendre avec un 4, oublie ça. Donc le barbare se prend coup critique deux fois, donc 6 et 6, 12, avec une réduction de 2. Il n'y a pas assez de points de vie. Il meurt, lui aussi. C'est magnifique. Waouh. Donc là, il nous manque maintenant le magicien qui va essayer de lui péter sa face avec... Il reste 10 points de vie. On va essayer. Mais même avec ça, il ne peut pas lui faire plus mal parce qu'il lui ferait juste 8. C'est impossible. Impossible. Et là, là, on essaye. 15. 15 plus 9. C'est bon. Il ne peut pas se défendre. Donc là, en gros, il se prend 8 moins 2, 6. Il reste 4 points de vie. 4 points de vie. Peut-être que je suis super chanceux. Et je bloque son attaque. Donc là, il me fait un 16. Donc il me fait un coup critique. Il faut que je bloque son attaque de 16. Donc, il faudrait que j'arrive à faire énormément. Ah oui, un petit 20. 17. Oh, je l'ai bloqué. 17
plus sa défense de 3, 20. Oh, j'ai bloqué son attaque de 16. Waouh. Et là, il le fait une deuxième fois. Ish. Une deuxième fois. 11. Ah, malheureusement, 11 et 3, 14. Là, je la prends. Donc là, je me prends, vu que c'est un coup critique, deux fois les dégâts, 12. Donc, il meurt. Aïe, aïe, extraordinaire. Je vais lancer le dé, ça sert strictement à rien. Donc, mes bonhommes sont tous morts. On s'est fait péter la gueule par le dernier géant. Premier monstre puissant qu'on a rencontré. Et on s'est fait défoncer. C'est dommage, sur les niveaux des lancers de dés, j'ai pas été chanceux. Une fois le magicien a réussi à le bloquer, on aurait aimé que le magicien puisse faire plus que ça. Un beau 17 que je viens de faire inutilement, ça aurait été cool. Mais on n'a pas eu de chance. Tous nos bonhommes sont morts. Donc comme tous les bonhommes sont morts, ben la partie est terminée. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben un pouce, on s'abonne, on fait la cloche. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la description. Dites-moi si vous avez ce jeu-là, si vous avez joué à ce jeu-là. Est-ce que le chapitre 2 est quelque chose qui vous tente? Si vous avez le premier, pour ma part, énormément. Donc, n'hésitez pas, parlez-moi, je lis les commentaires et je réponds à vos questions. Donc, c'est tout. Merci encore, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.